Bonjour à tous, je m'appelle Pedro. Et moi, Youssouf. Pour commencer, nous allons vous présenter La Brigade des cauchemars. C'est un livre très passionnant que vous pouvez lire et j'ai trouvé que c'était très simple à lire. J'ai beaucoup aimé les personnages, c'était très court. Les personnages principaux sont Angus, Elisa, Esteban, Tristan et Sarah. Tristan et Esteban sont deux frères. Et Esteban a été recueilli par le professeur Angus, qui est le père de Tristan. Et ensuite, ils vont aider une jeune fille nommée Sarah. Et à la fin, ils vont donc devenir amis. Et j'espère que vous allez aimer. Bonjour. Moi, j'ai beaucoup plu ce livre. Et Pedro ici. Ce livre a été illustré par Yong Jumon et la coloriste est Drac. J'ai beaucoup plu les personnages, les dessins, etc. et la lecture aussi. Et j'espère que vous allez aimer autant que nous. Bonjour à tous, je m'appelle Noyan. Et moi, Isen. Moi et mon camarade, nous allons vous présenter La Brigade des cauchemars. Les personnages sont Esteban, Tristan, professeur Angus, Sarah et Alex. Tristan est en fauteuil roulant et Esteban a perdu ses parents. Professeur Angus, le père de Tristan, a donc recueilli Esteban. Tous les trois forment la Brigade des cauchemars, une machine inventée par le professeur Angus. Les deux garçons entrent dans les cauchemars de jeunes enfants afin d'enlever leur peur. Et le livre est écrit par Franck Tillier, le dessinateur Yong Jumon et la coloriste Drac. Moi et mon camarade, on vous le recommande très fortement parce que c'était un livre très facile à lire. Au début, il n'y a pas beaucoup de sensations, mais à la fin, il y a beaucoup de sensations. Bonjour, je m'appelle Naila et je vais vous présenter L'Espion que l'on trouve au secret. L'autrice est de cette bande dessinée est Eglantine Selumon. Romarine est une jeune fille qui veut devenir espionne. Pour ça, elle s'entraîne tous les jours. Chez elle, elle écoute aux portes de sa sœur et de son frère. Elle a même créé un groupe d'espions avec les garçons de sa classe. Ce livre, je le trouve génial. J'ai bien aimé les dessins. Bonjour, je m'appelle Lukman. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Charlotte et moi. Le livre se prénomme Charlotte et moi. Il a été écrit par Olivier Claire. Il est paru en 2016. Les personnages principaux sont Charlotte, Gustave, la maman et la voisine. L'histoire part d'une fille qui s'appelle Charlotte. Elle est timide et Gustave a tout le contraire d'elle. Ils vont vivre des aventures ensemble. J'ai vraiment apprécié ce livre car ils s'entraident. Cette bande dessinée parle de sujets très importants, comme le handicap. Je vous conseille très fortement de les lire à la maison ou à l'école. Moi, je m'appelle Mohamed et je vous présente Le Camarade. Bonjour, je m'appelle Jaoui. Aujourd'hui, on va vous présenter Le Grimoire d'Elphine. Ça parle d'une jeune fille orpheline, Elphine, avec ses deux grandes sœurs. La plus grande est partie à Londres pour chercher un bus pour le transformer en librébus. Magda et sa grande sœur, Louette, sont parties à Carmalo pour vendre des livres avec ses grandes sœurs. Et surtout ce livre, je l'ai bien aimé. Et il a été facile à lire et très chouette. Et il y a beaucoup d'action. On vous le conseille fortement. Bonjour, je m'appelle Céline et aujourd'hui, je vais vous présenter La Cité des Secrets. Ça parle d'un petit garçon qui s'appelle Evert.
Il est orphelin depuis très jeune. Il a perdu son père à très jeune. Et il a rencontré Anna, une fille riche, héritière de son père. Et Anna essaye d'aider Ever à trouver qui a tué son père. J'ai bien aimé le livre, il est amusant, il y a un peu de meurtre, c'est un peu violent, mais ça rend le livre un peu chouette, et le scénariste est Victoria Ying. Bonjour, je m'appelle Wassim et Nassim. Nous allons vous présenter le Codex de Théo. Le Codex de Théo se déroule au Collège Saint-Roch. L'histoire se déroule dans une crypte au sous-sol de l'école. Les élèves sont Théo, Paul et Lucie. Les élèves veulent découvrir le mystère qui se cache dans la crypte de l'école. Les scénaristes sont Paul et Mylène et Pujol. J'ai trouvé le livre incroyable. J'ai lu 3 fois. Moi aussi, je l'ai aimé. Je l'ai aimé beaucoup. Je l'ai lu moi aussi 3 fois. À vous de découvrir la suite. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Jenali et aujourd'hui je vais vous présenter le livre Les Crocs. Les Crocs est une bande dessinée d'enquête policière. La scénariste est Léa Mazé, c'est elle qui a tout fait. La colorisation, le scénario et le dessin. C'est l'histoire de 2 jumeaux qui habitent dans un cimetière. Un jour, leur oncle leur raconta une histoire sur une vieille dame. Après cette histoire, il montra une marque sur une croix. Celle-ci. Les enfants se demandèrent qu'est-ce que veut dire cette marque. Peut-être 5 en chiffres romains ou en nom de famille. Plein d'autres tas de questions. Voici comment l'enquête commence. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce livre parce que, à des moments, quand il se pose des questions, on se sent un peu concerné dans le livre. C'est intéressant. Aussi, vu que ça se passe dans un cimetière et moi j'aime bien les histoires un peu comme ça, mais ça m'a encore plus. Donc je vous le conseille très très fortement. Le tome 2 aussi, parce que c'est la suite de l'histoire. C'est quand ils ont trouvé à quoi ça correspondait. Et ça se passe la nuit aussi, donc c'est intéressant. Et j'espère que vous l'aimeriez autant que moi. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Antonia et moi Adelina. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la BD Archibald contre les loups-garous. Archibald et son fils des chiens, Manic, sont confrontés à une main d'état entre les loups-garous et les hommes-ours. Jean, un jeune garçon, est capturé pour devenir l'attraction d'un cirque jusqu'à son évasion. En allant de village en village, il tombe sur Archibald. Une vraie amitié se forme. Mais les ennemis de Jean les poursuivre. L'histoire était triste, mais amusante. Maintenant, nous allons vous montrer les personnages. Ceci est Archibald. Ainsi son fidèle chameau. Ceci est Jean. L'histoire est splendide, facile à lire et les illustrations sont vraiment très belles, très bien dessinées. Et pour les personnes qui aiment bien les BD qui parlent de loups-garous et les hommes-ours, ceci est parfait pour vous. Et ce sera tout. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.
Bonjour, je vous présente, je m'appelle Ryan. Aujourd'hui, je vais vous présenter les indices anonymes. Les indices anonymes est une enquête policière. Le scénariste est Carbone. C'est l'histoire de 5 adolescents, Margot, Tom, Lilia, Fabien et le petit frère de Fabien. Un jour dans une forêt, le petit frère de Fabien se fait agresser par deux individus avec une arme blanche. Et Tom, Lilia, Margot et Fabien élaborent un plan pour que le petit frère de Fabien s'enfuit. Voilà comment commence l'histoire. J'ai adoré la BD car les enquêtes m'ont plu. Ma page préférée est celle-là quand Fabien est en colère. Elle était impressionnante et captivante. Je vous le conseille fortement. J'espère que vous l'aimerez autant que moi. Bonjour à tous, je m'appelle Norène et aujourd'hui je vais vous présenter mon livre qui est Grimoire et sorcière. C'est l'histoire de Hayley, sa cousine Naya et son petit cousin Dave. Un beau jour, Dave se fait enlever et il le retrouve dans le manoir abandonné. Ces temps-ci, les lumières de celle-ci s'allument anormalement. C'est un livre rempli de mystères et d'aventures, je vous le conseille fortement. Je vous laisse sur cette critique et moi, je vais aller lire tome 2. Bonjour, je m'appelle Mayra et Safran. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les livres dans les yeux d'Elia. Lia, la veille de ses 17 ans, a eu un accident et a perdu l'usage de ses jambes. Elle fait un soin de DV associé pour retrouver l'usage de ses jambes et le fichier de son agresseur. À l'aide de Adèle et Antoine, ils sont très courageux. Illustrateur, Justin Cunha. Scénariste, Carbone. Par ailleurs, j'ai pris ce livre car j'ai beaucoup aimé la première page du livre. Le livre est très intéressant et j'aime bien les enquêtes. Comme ma camarade, j'ai bien aimé la première page. J'ai pris ce livre parce que j'aime beaucoup des enquêtes.